Ouais, avec leur gros truc de poilet là. Ouais. Avec ces trucs là. On y va. On commence par la base, non? Bah, on va partir par Thompson. Ouais, bah ouais, Thompson, c'est à Caponnière, mec. Hein. Ouais, bah on commence par Thompson et puis on va passer à Caponnière par un endroit que j'ai vu l'autre fois. Ce qui est dur, c'est pas de pas se casser la gueule en filmant. Parce que tu regardes pas, c'est ça. Je sais pas, y'a rien. Y'a rien, vas-y, allez se péter la gueule dans 30 secondes. Celle-là, elle est pas dessalée, quoi. Eh, là, par contre. Ouais, non, genre dessus. Eh, tu lâches Sébastien Love là-dedans. Wouh! T'as vu, ça c'est le hangar, il doit en avoir deux là. Putain. Ah oui, okay. C'est le hangar, faut pas la décharge. Ah ouais, putain. Tu sais, là-bas t'avais un hangar dans le port, comme des tapis et tout, on sautait. Ils ont vidé le truc à coup de bulldozer quoi, putain, ils ont tout remballé. Tu reprends un midi. Ouais. Et tu reprends direct ou tu manges? Je reprends direct. Ouais. Bah attends, là t'as rien vu là. Ouais, j'avoue. Ce stress là. Non, c'est je savais pas que t'existais depuis la fin de foot. Ça? C'est là-bas que tous les primaires ils font le foot aux écoles et tout avec monsieur. Mais non, mais ils parlent de ça. Ouais, ça, je sais. Ouais. Eh hey, Sylvain, tu filmes? Ouais, je filme. Tu vas niquer toute ta carte ouais, en deux secondes. C'est pour ça que j'ai trop... Ça sert à rien que tu filmes parce que je les filme déjà. Rien, y a déjà un mot qui il a rien compris, ouais. le mec. Lui, il a une heure de film, toi t'as 10 minutes. Après, il aura plus de batterie, il va venir pleurer. Prends des photos. C'est fort là que t'en fais, t'as de la mousse fluo. Ouais, bah là, elle est plus très fluo. Ouais. C'était sur le premier film qu'on a fait il y a 5-6 ouais, mois là. Maintenant, elle est. Ah. Le 5 janvier, mais on va le déposer nous le... Non, le 5 janvier à 17h. Ouais, 17h. Mais nous, on doit finir avant le premier. Et après, c'est. La différence aussi de la victoire d'acceptation. Oui, c'est le 5 janvier. Ouais, pour rendre les dossiers. Ouais. Mais après, il faut des réponses. Hein. Alors, les réponses, c'est téléphone. Après, ils vont avertir par téléphone. Et les 15 000 euros de cadeau, c'est pour investir dans le projet ou... Les 15 000 euros de cadeau, alors c'est pas un cadeau. C'est pour s'acheter une guitare. C'est une guitare, un ampli. En fait, ça va être au sein d'une association. C'est notre association, les patates. Quoi? Mais je croyais qu'on n'avait pas pris ce système. Si, si, on va prendre ce système. On a discuté. Non, alors du coup, on touche rien. Mais si, mais on dissout comme ça après. Ouais, ouais, ça va être un. Ah oui, on dissout après. On va dissout. Voilà. Ouais, parce que tu m'avais dit soit on garde tout, on les met dans la caisse et on garde l'association. Là, c'est les bâtiments de Thompson. Ouais. Je commence à m'écailler au doigt, on doit avoir un problème. Là. Moi, c'est où je joue. Ah merde, je suis en train de filmer depuis longtemps. Tu vois là-bas, tu regardes là. Ouais. Mais bon, tout ça, c'était des bureaux et puis là-bas, t'as une. Donc là, ils doivent être démolis ou non? Ils sont prévus pour être démolis, ceux-là. Ouais. Tu sais, t'as un petit bar là. Tout ça, ça va être démoli, de toute façon, y'a plus rien. Tu m'étonnes pour faire du software aussi. Ah putain, t'imagines même pas. Il s'éclate là-dedans. Et puis là, tu regardes là-dedans, t'as des. Le mieux, c'est la caserne. T'as des conneries et tout, c'est un problème. Tu peux éviter un peu là-bas. Plus on traverse, on ressort par l'autre côté. Ah, non. Bon. Ouais. Ouais. T'es de deux, Corélie? Non, pas du tout. Sylvain? Ouais. Une pièce. Il est intrigué. T'es sérieux? Ouais, non, c'est des militaires. Non, c'est des militaires de l'intérieur. Si, c'est des militaires, regarde le camion à côté. Ouais. Ah, en train de prendre une fois qu'on est heureux de se faire choper. Bah non. Oh, mais non, c'est pas normal. Là non, c'est normal. T'as vu? Bah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais. Oh, t'as vu les pneus du truc? Mais non, c'est vrai. Bonjour.
avait une roulette. Eh mais c'est énorme, j'ai déjà jamais vu en fait là-dedans. Oui. Et ça c'est une fois que tous les bâtiments sont en train. Regarde, regarde. Attends, viens voir, tu vois. Je me rappelle de Dorothée. Ça c'est voué au démolissement aussi. Bah ouais, tout. Ouais. Attends, t'as vu les taxés. Non mais je sais pas les murs. Nous on va avec moi. Ouais. D'ailleurs, je pense que toutes les barres au centre, c'est pour ça, quoi. Ouais, sûrement. Ouais. À la mitrailleuse. Ça c'est une balle à blanc là. Eh Sylvain, regarde là. C'est Yako qui s'entraîne là, regarde là. C'est la touche de flic. Et à côté t'as des billes de sauveteur un peu partout. Ah le boy girl, celle-là je la garde. Regarde là t'as les balles qui tirent. Ouais, une belle en bon état, regarde celle-là. Ah ouais, pas mal. Elle est nickel. Merci. C'était tout ça, c'était militaire. Thompson, ouais. Tout ça, c'est Thompson. C'était là, ça, construit. Ça n'a rien à voir avec le militaire. Vu à l'armée, via le, enfin, l'instrumentation. Ouais. Excusez. Enfin, c'était pas de l'entraînement. Ouais. Avec J'ai attendu ce truc qui a Châteauré pour travailler sur le missile pupé. C'est un gros truc nucléaire. Donc, il y avait de la radioactivité. Il y a eu des. Genre ça, c'est, hein. C'est le domaine du grand, hein, si tu veux faire des trucs. Hein. T'as des gros tacs de partout. Regarde, et puis il y en a des bouts, hein, des fois. Ah putain, sur la, en dessus de la caserne, il y en a un magnifique là. LF ou je sais pas quoi. Ah là, il est pas mal le rouge. Là, là c'est la brigade canine ici. Ouais, c'est super grand, hein. Quoi ? Là, on a. Attends, on a fait que les 5 hectares de Thompson là. Bon. Après, là, on va rentrer. Normalement, il y a un truc d'hectare dans le grillage. La caponnière, c'est par où, Antoine ? La caponnière, on va rentrer par un trou. Ah, il doit être en face. C'est là-bas ? Ouais, ça doit être par là. Là, Antoine, c'est pas par là ? Non, mais c'est par là, c'est un trou. Ils ont vu en grand. Là-bas, tiens, mais c'est pas là. Ça va, ce trou, il est grand. Donc. Et l'eau, elle est là. Voilà, et là, on est à la caponnière directement. Ah, elle est fun. Là, on est au hangar que Sylvain il voulait voir. Ah ouais, mais l'hiver ici, c'est pas très pratique. Attends, on va attendre deux autres. Fais gaffe là. Ah ouais, putain, c'est galère, hein. Ouais, mais t'inquiète. C'est bien au hangar, on va se glisser. Sylvain, quand tu vas par là, tu vas glisser. Non, tu vas te toller, fais gaffe, ça glisse vachement ça. Tu vas te toller, remonte là-haut. Et Sylvain, ils sont là, tes deux garages que tu voulais voir. Ah ouais, là on arrive à l'enceinte, c'est trop beau ce machin. Ouais, là, c'est le... là on se trouve dans le cul de l'enceinte. Quoi. T'inquiète pas, tu vas en faire du sport ici. C'est ça, les arbres. Bah oui, l'enceinte, bah oui. Là c'est le mur d'enceinte, voilà. Et là on arrive, on va rentrer dans la caponnière. Et là t'as tes deux garages que tu voulais voir. Ouais, c'est ça. Voilà. On est directement. Il faut que les voitures. Tu sais ce que disait ton papa, il faut que les voitures puissent accéder facilement.
Parce que s'il y a un garage, c'est qu'il y a une route là quelque part. Ouais, mais. Bah, l'enceinte, c'est une route à la base. Je vais y avoir, ouais, mais l'enceinte, ouais. À la base, c'est quoi? Toi, t'as mis en enceinte, c'est bizarre. Je suis partout comme ça, sur tout là. Ouais. Parce que c'est le mur d'enceinte. En fait, t'as plusieurs enceintes. Enfin, il s'arrête là, mais il fait les tours. Et il revient sur la voie du fort, au niveau de la résidence de. Buc-la-Jolie. Buc-la-Jolie. Ah, t'en as. T'as fait le tour. T'as fait le tour. Quoi? Les trous là? Ouais. Je sais pas si c'est volontaire. Enfin, normalement, c'est volontaire. Peut-être à l'intérieur du hangar, mais ça sert à rien. Et là, c'est la caponnière. Pour lever ça, des... je sais pas, ça doit être un truc de montage, je sais pas quoi. On va jeter les petits points, ça, pour lever les... Ça a été rajouté. Hey, c'est pas comme qu'on avait vu un chevreuil une fois. Si. Ouais, on avait vu un chevreuil qui courait par là. Faut qu'on arrivait de là et qu'il... Ouais, ouais, il va, ouais, exactement. Ouais, t'as vu? Ah, la grenouille, non? Ah ouais. 1900, là, ici, grenouille, celui-là, 1876. Ouais. 76, pardon. Quoi? Ouais. Ici, là. Quoi? T'as une grenouille électrocutée. Non. Avant, elle était plus belle, mais là, elle est un peu KO, là. Regarde, le truc blanc, là, c'est une grenouille électrocutée. Je crois qu'elle a fini, elle a dû finir ses jours... Avant elle était plus belle. Maintenant elle coupe mon pied. Bah elle prend de l'âge, hein, mec, aussi. Ouais, ça fait quoi? Ça va faire 4-5 ans qu'elle est coincée là-dedans. Bon. C'est marrant, une grenouille électrocutée. Quand tu as le cas, c'est le diapositif qui vient de prendre le biologique, qui sont les électrocutés dans le pack de grenouilles. Ouais, oh, carrément. Ouais. Je sais pas si c'est à la bombe, on va dire. J'ai jamais vu de SDF ou quoi qui sont mis. Je sais pas, sûrement, sûrement. Ah, mais Antoine, c'est ça qu'on avait vu, le truc. Ouais. Tu te souviens avec JB de Plainval et tout? Ouais, je sais pas quoi ça se fait. Eh, venez, hein, si vous voulez pas vous perdre dans la jungle. Dans la jungle du fort. Jungle du fort. Jungle bucoise. Ça croustille. Ouais, croustille de Kellogg's. C'est croustille de Kellogg's. Coco Pops de choc. Ça croustille. Le chocolat de la jungle. Là, on fait bien de voir. Ouais. Ça doit être, ouais, un truc. Hein. Par contre, on va galérer à passer. Alors, à tailler ça. Sylvain, t'as pas une machette là, vite fait? On aurait dû prendre. Oui, oui, j'ai aussi un tracteur. Bon, on va faire tout battant. Professeur Armand, c'est la caméra. Non mais t'inquiète, ouais, c'est non, bon. T'inquiète, il a la caméra au-dessus du niveau du truc. Professeur Armand, tu vas revenir. Bon. Ça se trouve, on va retrouver la corde, mec. Quoi?
Ça se trouve, on va retrouver la corde. On continue pas dans l'enceinte ? Quoi ? On continue pas dans l'enceinte ? Non, on fait pas le tour. Ça sert à rien. Enceinte, de toute façon, c'est la même partout, ça reste déjà comme ça. Bon. Qu'est-ce que c'était là, la truc contre les Prussiens là ? Donc, Sylvain. C'est la protection anti-prussien. Pourquoi Prussien forcément ? C'était bon, quoi. Ah ouais ? Et là, c'est pas contre les Boches ? Avant t'avais une corde qui pendait. C'est la ouais, même chose. On est descendu en rafale. En fait, en 1800, après la défaite de Sedan, les Prussiens sont venus les Allemands. Ah ouais, ok. Oh putain, ça c'est le gadou. Ouais, là on est dans les marais. Ça s'arrange ici. Hein. Attends, vas-y. Vas-y, rentre. Fais gaffe. Et en fait, les Romains sont restés, on va Et moi j'ai une si vous voulez. Tiens, attends, là j'ai montré la merveille du monde. Attends, c'est quoi là ? Les chiottes, j'imagine. Parce qu'Antoine, il voue un culte aux chiottes en fait. Viens voir. En fait, viens voir. La porte de pistole. C'est bon, franchement. Là, un plus ici. Tu regardes de l'autre côté. Tu vois, à travers la porte, tu vois hyper clair. Là, je vois les yeux qui sont ici, là. Vas-y, regarde. Regarde dans le truc, c'est hyper net. Tu vois super bien. Tu vois de l'autre côté, tu sais qui c'est. Dans le test. Et là, tu peux tirer une balle, elle arrive pas dans le mec. Hein. Ah ouais putain. T'as vu ? J'avais jamais fait gaffe à ça. On continue là on va repartir. Ça sert à rien pareil. Pareil tout ça c'est réhabilitable ça. C'est réhabilitable. Oui c'est inhabilitable non. Fais gaffe. Cher, de le sol aussi, il y a des, et parfois il y a des grosses fissures. Et ça, c'est a priori la limite. Sylvain, est-ce que tu veux voir comment on fait pour accéder au hangar par l'intérieur ? Oui. C'est parti. Faut faire gaffe, on marche ici, il y a des trous. Hein. C'est très bien, tu vois. Ah, ça fait encore être fait, avant il y en avait encore. C'est pas comme ça, les trucs. T'imagines, je prends ça sur la gueule. Attends, ils sont encore poussés tous les cœurs, c'est ça ? Ouais, ouais, bah ouais. Ah ouais, il était pas aussi écoulé que ça, le truc. Ouais, une petite impasse. Faire gaffe au câble, hein. Ouh là, c'est dangereux, il y a une barre métallique qui ressort. Ah ouais, Antoine, on va pas passer par là, c'est trop galère, laisse tomber. Hein. Ouais, bon. Il y a des barres partout. Là, c'est l'impasse, hein. Ouais. Ouais, donc ça doit être agrandi partout, hein. Ouais. Ah oui, on a capoté, ouais. Sylvain. Est-ce que tu y vas, t'as des escaliers qui remontent au hangar, mais là on y va voir parce que t'as ça, okay, c'est vachement vrai. Et sinon c'est par là qu'on va passer pour aller au hangar. Tu passes devant Armand. Vas-y. Allez, pas un tunnel, c'est bien. Non, désolé, chez moi. Pas sur moi. Oh, Antoine. Pourquoi il s'est passé quoi ? Non, pas de bouche. Oh putain.